Nous allons lever les mains comme un seigneur. Nous allons lever les mains vers le ciel. David dit, je lève mes mains. On est bien, celui qui vient de l'éternel. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre. Nous allons implorer la puissance de Dieu sur ce village. Nous allons demander la puissance de Jésus-Christ. Et nous allons demander sa délivrance par rapport à ce village. Nous prions ensemble, Seigneur. Ouvre la bouche et parle, Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous lui demandons de délivrer ce village de son enfant. Nous prions le Seigneur. Et que sa puissance vienne délivrer ce village. Nous te prions, Seigneur. Que le royaume de la sorcellerie soit vaincu, que le pouvoir du diable soit vaincu, que la maladie soit vaincue, la mort prématurée vaincue, que le règne du diable pénétre dans ce village, que toi Jésus, tu règnes. Merci. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. 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 Amen. Merci. 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 Est-ce qu'on peut s'éteindre? Adoko, c'est quoi que tu as fait? Plus de bruit. Amen. Voilà ce qu'il y a d'ailleurs. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. L'agopo, mais à quel moment nous? Amen. Apolé l'agopo, yukuli. Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? C'est l'agopo, apolé yukuli. L'agopo, quand il nous brûle les nudes, on croit encore. L'agopo, il nous. Amen, David, la voix pas émou. Non, cher, viens laisser c'est la pluie. On est allé y, mais la voix pas dans nous. Ouais. Nous serons pour la pluie, doit me mouiller. Ouais, sur le coup, il est mouillot de bonheur. Je suis pas venu faire malin, je suis venu en coco. On est à l'ouvrir, un tombeau, il a bouillé. Vous délivrez. Il y a que tout, un cas, il n'y a pas. Il y a pluie, il y a soleil, on est sûr, on est au front. Mais on me dit, c'est comme ça. Il y a pluie, il y a soleil, on est au front. Mon honneur, la voix du beau. Amen. Que la plume mouille pour la gloire de Dieu. Vous comptez demander la voix de Dieu. Juste à côté de toi, que Dieu te bénisse. Vous voulez les doux, nous voulons la compagnie. C'est vraiment important ce que tu entends de faire. Nous voulons que nous avons Dieu ce soir parmi nous. Nous avons celui qui a créé le ciel et la terre parmi nous ce soir. Nous ne sommes pas assemblés ce soir pour un funérail. Nous sommes assemblés pour quelque chose. Une seule chose nous anime ce soir. Nous voulons voir la délivrance de ce village. Ce fait que nous sommes là. Nous sommes là pour que ce nom soit délivré. Nous sommes devant l'Éternel. Vous savez, Dieu ne fait rien sans la prière. S'il y a une situation que vous désirez, Dieu ne fera rien. Le principe pour que Dieu descende. C'est de l'invoquer. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Donc si tu ne l'invoques pas, il ne va jamais te répondre. C'est un principe.
C'est pas qu'on craque pas. Tu es descendant. Il faut que tu l'invoques. Mais qu'on l'a lui, il est là, il regarde la situation. Vous le croyez. Maintenant que c'est que il ne règle pas la situation. Oh, il ne veut pas, on regarde. On dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un principe de Dieu. La pour que Dieu sauve son roco. Il faut que nous nous rassemblons ce soir. Comme un seul homme. Pour demander la délivrance de ce village. Tu vas peut-être me dire. Ça me tient à pourquoi le village a besoin d'être délivré? Quand vous regardez Soroko, vous êtes convaincu qu'il y a un problème. Beaucoup de maisons inachevées. Qu'on met une maison en terre, les briques, c'est pour achever. Ça ne finit pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre ses fesses là. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Qui a fermé la construction, qui empêche la construction. On sent la misère dans le village. C'est ce qui est vrai. Ce roco que Dieu me montrait dans la termitière, c'est comme plateau. C'est plateau, pour qu'on dit, Abidjan, plateau. C'est pour dire les sorciers. Vous êtes mauvais. Parce que le vrai Soroko n'est pas accalé. Il est développé. Mais le vrai Soroko est développé. Et le Soroko physique est bloqué. Mais Soroko y'a guéri quand ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. C'est pour ça qu'il faut prier. Si ne prions pas, la situation ne changera jamais. Si nous ne crions pas à Dieu, la situation ne va jamais changer. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez rester 400 ans. On est dans un pays étranger. Et après les 400 ans, ma main visitera votre peuple. Mais l'histoire nous dit, ils sont restés plus de 400 ans. Ils ont fait 430 ans. 430 ans. Dieu dit 400 ans. Or, la Bible dit, Dieu ne peut pas mentir. Il paie sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Pourquoi 30 ans de plus? Parce que Dieu les avait déjà avertis. Et ils savaient. Ils sont restés la muet. Sans rien faire. C'est pour ça qu'ils ont dépassé les 400 ans. Le jour où ils ont compris qu'il fallait crier, Dieu a envoyé Moïse. Il avait dit sauver des eaux. Soit doublé, mais. Le jour où vous priez, Dieu envoyera quelqu'un vous sauver. Jésus-Christ, c'est le principe de Dieu. Dieu ne délivre pas celui qui se plaint dans son problème. Parce qu'il y a des gens qui font avec. Il se dit que bon, moi je préfère mourir avec. Dieu ne va jamais te délivrer. Quelqu'un qui se plaint dans son problème. Dieu ne va jamais le délivrer. Dieu délivre celui qui est fatigué, chargé et fatigué. Fatigué des problèmes. Et qui a besoin de Dieu. Quand quelqu'un est fatigué, quand il lui dit va à gauche, il va à gauche. C'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Est-ce que vous pouvez vous-même vous acclamer? C'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Vous êtes parti malgré la pluie. Amen. Vous êtes là pour que Dieu délivre ce village. Je vais vous donner un message. Dans le psaume 11, le verset 3. D'abord, je me présente, je suis le prophète Crasso. On ne tombe pas, prophète Crasso. Ceux qui ne le savent pas, je suis un prophète. Prophète Mokra Lagouane. Voilà, j'ai mon sang de prière à Divo. On est Divo Bouboule Kreti. J'ai été visité par Dieu.
Il m'appelait comme son prophète. Moi, mon don là, c'est pour mater la sorcellerie. Quand vous êtes là, vous ne pouvez rien. Tout à l'heure, on va commencer une opération. On est au Yitaye Passa. Chacun a son travail. Pasteur lui prêche. Parce que moi, quand on est là, il y a des gens qui attrapent ceci. Moi, il y a des gens qui à l'hôpital, chacun, chaque médecin n'a pas la même fonction. Docteur, il y a des gens qui ont dénié pour moi. Le pédiatre, lui, c'est pour les bébés. On le vit au cas. Gynécologue, c'est pour les femmes. Chirurgien, lui, il repère les gens. Quand tu acaries, c'est le dentiste qui enlève ta dent. Mais n'est-ce que tu as quand il y a problème de sorcellerie, c'est le prophète Crasso qui vient régler. Mais est-ce que c'est pardon? Quand je veux parler de ça, est-ce que j'ai dit à quel moment il y a quoi dire? Aucun sorcier ne peut me vaincre. Ça, je vous dis la vérité. Si tu veux, faut essayer. On est meilleur car. Je te dis, je vous provoque même les sorciers. On est hier académie, tu prends le coup. Vous voulez, voici viande cadeau. Et que quand Gouker, Jiko Kandi, voici Choukouya, Jiko Kandi, où il y a un projet de sorcier qui est tout. Dis-moi, Kra, viens. Jiko Kandi, tu prends le coup. Et que quand Gouker, Jiko dit, vous dites, vous êtes sorcier. En est-il quoi, m'a dit, c'est né. Ok. Moi, je suis chez vous. On est, oui, moi, Kra. Moi, je vais sur ton territoire, puis je te nargue. On est démon pour clamer, et je berry. Je viens de dire, tu ne peux rien. Si tu veux, essaye. On est, hier, quand il y a dit, mais demi, demi. Celui qui dit les sorciers, on va le n'y a pas dit, il n'a qu'à se mettre ici. On plaît les dents. On te dit, bien. Vous parlez dans le village, je suis sorcier. Il Moi je suis un homme de combat, c'est ce qu'on m'appelle maréchal. Moi je viens combattre. Moi je viens c'est pour mater. Encore, le pasteur qui prêche, Jésus revient. Moi je viens pour mater la sorcellerie. Donc je ne joue pas, j'ai des mots guéris. Je suis un homme de combat. On est venu à Gougnon. Dieu est là. D'accord. On appelle Jehovah Shabaoth, avec l'Éternel, le Dieu des armées. C'est un Dieu de combat. Moi, qui crée tout, la coca. Donc, celui qui dit les sorciers à Soroko ici. On connaît pour les Soroko, on connaît déjà, on a dit Gougnon. On va parler derrière moi. Tu dis que tu es sorcier. Faut venir. Avant que je ne prêche. De toi, moi, avec l'administration. Où il y a le vrai pouvoir. Mais diable là, tu mets vous appelez sorcellerie. On est bien, c'est. Vous c'est ça la peur. On est un permis. Les gens développent leur village, vous mangez les gens. Allez, tout le monde a vous parlez, c'est ça on appelle pouvoir. Elle est quand Marie-Mé. Celui qui dit qu'il est sorcier. On ne peut pas dire quoi. Il n'a pas venir. Je donne 5 minutes. Gré. Il se met devant, et puis dit prophète Crasso, je suis sorcier, je vais te combattre. On est, il y a des gens qui sont venus de Lakota, ils sont venus me combattre dans mon sable. Ils sont tombés, ils sont allés mourir. Moi, j'avais des dragons, mais attaqué à l'église, les tombés, les lèvres. Contre toi, moi, tu sais, tu meurs. Et coca, mais je ne joue pas avec ça. Dis-moi, je recueille, coucou, la dame. Non, je ne suis pas là pour te caresser. On est à Calogre, comme tu dis, j'ai essayé, tu meurs. On est, il y a des gens. On ne combat pas Dieu. Vous êtes là, vous êtes là, vous cachez. Vous êtes sorcier. C'est garçon contre garçon. On est oui, démocrate. Vous cachez maintenant. Oui, démocrate, on va livrer un combat. Mais je vous avertis. Ça va se passer, c'est qui je fais là, ça va se faire. Je loue ton courage. Chef, il a la main, elle n'est pas. Une seule fois. Et pour le coup, il a. On met pour son peuple. Mais ne tout à ce coup là. J'aime bien ce chef. Mais avec moi, ma camarade, c'est caca. Il dit ton voyage.
Le chef du camp, on arrive au terminus. Tout grenda, tout et grenda, et quand on comme tout grenda, qui fait. Dieu te bénisse. La compagnie. Merci. On va nettoyer ton village. Aïeka Bo, Aïeka Bonjour. Aïeka Bonjour. Le vrai Soloko là, on a ramené ça. Soloko là. On va faire ratissage. Aïeka Bonjour. Je vous attends 5 minutes avant de prêcher. On est Aïeka, Aïeka. Aïe, bon, je te laisse réfléchir. Il est pas le même Aïe. Faut aller chercher ton pouvoir. On est, mais le même Aïe. Mais le même Aïe. On est Aïe Kakousoyi. Moi, j'ai compris une seule chose. J'ai compris que Jésus-Christ au-dessus des fétiches. Et nous, amen, nous voulons Jésus-Christ, c'est au courant de vous. Jésus au-dessus de la sorcellerie. Nous continuons. On commence à la Bible dit de marcher sur eux. On est à nos lois. La Bible n'a pas dit les cajoler. On est à le bras, moi il m'a pris le corps. Il dit je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher. Quand tu as un pouvoir, tu marches celui à qui tu. Si tu as moyen quelqu'un, tu marches. On est et gagné par des mocas. Moi je veux moyen vous les sorciers. Et comme on a dit, je vous narque. Allez, et c'est rien, c'est que bon. Élie a dit au prophète de Baal. Et dit mon nom. Vous n'avez pas vu les prophètes prier. Allez à le bré, la balle de feu là. C'est adorable. La coca. Ils ont crié le prophète de Baal n'a pas envoyé le feu. Bouillonnais. Élie a prié. La coca. On dit qu'à Élie a prié. On dit Élie a prié. On fait bouillonner. Mais moi je crois au Dieu de l'île, le Dieu qui exauce les prières. C'est pour ça que je vous lance des défis. Vous êtes malheureux. Vous êtes pauvres. Vous ne vous brossez pas. Vous êtes à bien des gens. Oh Jésus. Au lieu de prendre un plateau humain pour envoyer dans mon village, c'est le malheur que vous envoyez dans les villages. Vous empêchez les enfants de réussir. À l'école, vous les empêchez de réussir. Vous empêchez les femmes de se marier. Écoutez tout. Aujourd'hui, c'est votre fin. Laissez les gens vivre leur vie. Si vous ne voulez pas vivre, laissez les enfants, nos mamans, nos papas, vivre leur vie. Ce village sera délivré. Ça ne dépend pas de vous. C'est Dieu qui a décidé de libérer ce village. Et ce village sera délivré. Celui qui va s'opposer à cette délivrance, nous allons l'enterrer dans ce village. Celui qui va s'opposer à cette délivrance, nous allons l'enterrer dans ce village. Vous allez chercher le feu sur vous. Le feu sur vous. Arrêtez vos bêtises. Ça n'apporte rien à l'Afrique. Vous avez l'avion la nuit. Vos amis fabriquent Air France. Il y a Air Bruxelles, et pour vous. C'est par là où prenez vous voyager par là. Où est votre Air Soroku là, c'est où? Air Soroku là. C'est par là où vous prenez pour voyager. Mais à l'idée, vous avez vu Mais c'est pas comme 6 heures du temps. Paris, Abidjan. Moi, c'est 15 minutes. Elle est fracas. Vous pouvez apporter quelque chose. Mais vous gardez ça pour vous.
Même à tout à passé, à qui va y passer, à qui va. Vous voyez que c'est pas bon. Allez, calmez. Arrêtez vos bêtises. Agne Breka. La sorcellerie, ce sont des bêtises. Vous savez à vous et comment vous mangez. Adika. Mais vous savez très bien. Aïssé. Que si vous mourrez à quel coup dans la sorcellerie. Vous allez devoir voir votre papa Satan dans le feu. Si vous mourrez dans la sorcellerie, vous allez aller voir votre papa Satan. Pratiquer la sorcellerie, c'est de servir Satan. Les gens passent, vous les voyez comme les cabris, vous les mangez. Oh, il y a les moutons dans le village ici. Mais vous les mangez. Vous voulez les manger. Vous voulez les manger. Attention. Et Anna le Kayoko, viens faire toute chose. Du tout, la crapule est vous mangez deux fois. Vous mangez pour nous. Sauce crème et tigliti. Vous mangez et vous mangez en haut là-bas. Mais à boulot, il y a même un mot. Sauce chocolat en haut là-bas. Mais si encore bien dit, mon dieu. C'est quelle vie ça? C'est que c'est quoi même ce qu'elle est. Apprenez-vous, les gens peuvent revenir au village. C'est quoi ça? Il a fait de coup. Elle ne sait même pas. Et c'est pas une raison. Les sorciers ne veulent que vous ne venez pas au village. Ils ont compris. Vous ne venez pas, ils vont chez vous. Mais ils connaissent chez vous, les sorciers connaissent. Mais moi, dis à quoi. Ne venez pas, ils vont chez vous. Ah, moi, allez, yo, moi, il y a les sorciers. J'aimerais que vous les ignorez. Mais moi, d'accord, tu sais, un sorcier, c'est un agent de Satan. On dit que quoi. Mais c'est la fin de vos œuvres. Parce que nous allons combattre vos œuvres. Nous allons vous lier ce soir. Nous allons détruire vos œuvres ce soir. La mort que vous avez programmée là, ça va retourner contre vous. Vous les autres. Ça sera le retour à l'envoyeur. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 11, le verset 3. Chef, tu as dit d'attraper de mettre les sorciers au pas. Voilà, parce que. Si je mets la main, si la papa de quelqu'un, ça va créer un scandale. Mais on va me débloquer. Non, pas frapper. Scandale, mais c'est. Non, c'est pas frapper. Ok, car tout simple. Voilà, un scandale. Ouais, tout le monde, ok, tout simple. Ok, tout simple. Et quand il pas dépassé, de même côté, si pas. Mais on le dit quand même, tout simple, de même vous me permettez une minute. Vous qui allez à l'école, ah ouais, les cadres, vous qui avez tous les diplômes, le travail. Mais allez, dis-vous, on dit qu'on va mettre les sorciers en rang. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, acclamez-vous tous le Seigneur. Ah, le psaume 11, verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés. Le juste que fera-t-il? C'est ce verset-là que nous allons exploiter. On dit quand le fondement est renversé,
Le juste aussi subit, il paye la chose. Mais le fondement, c'est quoi? C'est le commencement de toute chose. Amen. Vous allez fouiller dans ce village, il y a les propriétaires terrain, n'est-ce pas? C'est toi qui font libation. Mais la terre. Et il connaît l'histoire de cette terre de Soloku. Moi, il s'est à Bali. Donc, Soloku a une histoire. Soloku a été à Bali. Et l'histoire de Soloku, c'est ce qui fait Soloku. Soloku n'est c'est ton histoire qui te fait. N'est Bali c'est comme une maison. Mais Boutou, quand on construit une maison, Boutou a c'est bon. Ce qui va nous intéresser. Il y a quelqu'un qui sous-bâtiment et le fondement et la fondation, la fondation et le sous-bâtiment. Et moi, sous-bâtiment. La fondation et le sous-bâtiment. Et moi, que tout le monde, moi, que moi, si moi, zo. Et moi, sous-bâtiment. Ok. Vous comprenez? La définition, ça dit sous le bâtiment qui est sous la terre. C'est à partir de ce bâtiment-là, le sous-bâtiment, qu'on commence à mettre les briques. La durée de cette maison dépend du sous-bâtiment. Quand le sous-bâtiment n'est pas solide, la maison se creuse. C'est comme ça la vie de chacun d'entre nous. La vie est comparée comme une maison. Ta vie était bâtie sur quoi? Il n'y a pas une famille africaine où l'on n'a pas pratiqué l'idolâtrie. Le fétichisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas une famille africaine où on ne pratique pas la sorcellerie. Ça n'existe pas. Pratiquer le fétichisme et l'idolâtrie, c'est tisser une alliance avec Satan. Et la Bible dit, c'est ce que l'homme sème qui récolte. C'est ce qui on sème qu'on récolte. Rien ne se perd sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. Dieu punit l'iniquité des pères et des fils de la troisième et la quatrième génération. On devient chrétien, vous savez. On n'est pas chrétien. On devient chrétien. Chrétien qui veut dire petit Christ, celui qui a pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ, il a dit qu'il devient juste devant Dieu. Mais avant de devenir chrétien, tu es issu d'une famille. Dans une famille. Or, on hérite toujours d'une malédiction. Des bonnes choses et des mauvaises choses. Regarde-moi toi-même ta propre vie. Est-ce qu'elle a changé? C'est vrai que tu crois en Jésus. Mais est-ce que les bénédictions de Dieu n'impactent sur ta vie? Est-ce que quand tu regardes ta vie en tant que chrétien, est-ce que tu es prospère? Parce que devenir enfant de Dieu, c'est synonyme de la prospérité. Ne vous trompez pas. On est béni d'abord sur cette terre, après, dans le ciel. Parce que c'est notre témoignage que les gens déjà attendent. Quand tu te donnes à Christ, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est sur tous les plans. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis avoir une licence en célibataire. Il y a des gens qui ont un master en célibat.
Et les gars, oui, dis quoi? Master en ce moment. Ne sais pas, c'est quand même qu'on craque au couteau. Célibataire, je t'en. Et les gars, oui, dis quoi? Ils ont master dedans. Mais nous, on a ça pour nous. Ils sont pauvres jusqu'à la pauvreté, là, ça n'a pas de nom. Mais pour appeler les gens. Oh, la Bible dit. La Bible est d'accord. Quand quelqu'un vit en Christ, mais la gouvernance, il devient une nouvelle créature. Jésus-Christ se transforme. Il fait de toi une nouvelle personne. Mais pas après que toi regardes ta vie, moi, ça donne envie d'aller à l'église. Tu es à l'église. Et quoi, la mais ta vie, mon ne sait pas. Donne même pas envie d'aller à l'église. Ça veut dire tu n'es pas délivré. Et ni ça veut dire tu n'es pas délivré. Quand quelqu'un est délivré, tout ce qui touche prospère. On n'a pas besoin d'aller à Abidjan. Tu es ici. Et ton champ va prospérer. Il dit, je te bénirai dans ta ville. Dieu n'a pas forcément besoin de Paris pour te bénir. Mais le seul problème que tu as, c'est délivrance. Souvent, c'est que tu vis, il ne vient pas de toi. Tu as hérité de ça. Tu as hérité de ça. Mon yé quoi, mais quand tu iras toute ta famille, et la même chose. Vous partez un moment et vous vous revenez. Mais au stade zéro. Mais ça veut dire tu n'es pas délivré. Pas nous une chaîne spirituelle qui est encore attachée à toi. On y suit le fondement. Vous dites le fondement de ta famille. Il y a un problème. Tu es devenu chrétien. Mais le fondement, il y a un problème. Ya la gognon, zo la gognon. Si son coup n'est pas délivré, parce que c'est la source. C'est ici que la source. Les gens ont une histoire. C'est cela que nous, ça nous intéresse de prier pour les villages. Nous n'interdisons jamais aux gens d'aller dans pas dans leur village. Non. Nous encourageons les gens à aller dans leur village. Oui, il faut qu'ils viennent dans les villages. Il faut qu'ils construisent dans les villages. Mais amen. Amen. Mais si le village n'est pas délivré, tous ceux qui sont de Soroku ont des problèmes. Ils vont avoir des problèmes. Parce qu'en réalité, le village a été bâti, c'est qui? C'est le point d'interrogation. C'est Atiébanou. C'est pas Dieu qui a bâti le village. Non. Et on avance des guerriers. Chasse un peuple. Mais on peut dire que qui s'impose. Mais on crée le cadeau. Oh, quand on combat un peuple, vous savez bien que le sang coule. Donc le sang est là. Et le sang toujours crie. Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère a perdu. Vengeance. Tout ce qui a été fait sur cette terre est dans le parce que la terre a des oreilles. Tout fétichisme qui a été pratiqué ici, l'idolâtrie, ça est là, ça constitue comme un hôtel satanique. Mais sauf cela qu'il faut que les villages soient délivrés. Mais pour que les villages soient délivrés, il faut qu'une action se mène. Quand Dieu a appelé Gédéon, il a dit à Gédéon, c'est mon prière, Gédéon. Maintenant même, on est va mais, et détruit mais, le père de Baal on est et devant la maison de ton père. Et tes parents, Dieu l'avait appelé. Mais son père et ses parents avaient adoré des fétiches. Gédéon. Dieu nous a appelés. Mais nous sommes issus des parents idolâtres. Qui fait que ça influence notre chrétienté. Mais elle ne sait pas, elle est mémoire, elle ne sait pas. Tu es chrétien, on ne le sent pas. Mais dis non. Or, ce qui intéresse les gens, c'est ton témoignage. Dieu dit, je mettrai une différence entre celui qui le sait, mais sait, et celui qui ne me sait pas. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de différence. On est le païen soupe de célibat. Le païen est pauvre. Non, un véritable enfant de Dieu, il se démarque des autres. Parce que notre Dieu est le Dieu d'Israël. Israël d'accord. Il est le Dieu d'Israël. Israël d'accord. Un Dieu de bénédiction.
Mais la golopon il pas mon cra. Le seul problème, le fondement était renversé. Bob ben cola de boka wole de cola par le fondement est renversé. Même les apôtres héritent de ça. Mais you are ya gore ya ka gore ça. Oui, c'est comme un héritage. Tes enfants vivent ça. Tu vois que toi-même tu as vécu une situation que tes enfants vivent. Donc il faut qu'une action vienne arrêter ça. C'est et la sorcellerie se base sur ça pour agir dans les villages. Si rien n'est fait, mais peine nous caler. Tu peux même mourir sous la malédiction. Et hier, mais avec comment il y a des gens qui meurent sous la malédiction. Pour être délivré. C'est pour dire la délivrance, ça se désire. Dieu ne verra jamais chez toi à la maison pour dire je vais te délivrer. Jamais. Non, si tu veux, tu penses que tu feras ça, je te dis non. La délivrance, ça se désire. Je sais que vous êtes en train de faire. Vous avez invité Dieu la pour vous délivrer. Qui attendait l'occasion? Nous, et quand vous il attendait ça. Et comment si vous êtes assis, vous n'allez jamais voir Dieu vous délivrer. Toutefois que Dieu veut parler, je te dis, lève-toi. Dieu n'a jamais dit, s'assoit, lève-toi. Quand vous lisez Isaïe, en passant, il dit, lève-toi quand ta venue arrive. On est donc on se lève. Et reste, dira ta vie. Vous ne laissez pas. Et reste, c'est du village. Mais. Et reste, comment tu as vécu pas. Tu es en train de. Tu es presque près la mort. Mais il rien la vie de tes enfants. Mais les humains. Regarde. Des choses bizarres. Mais elle est belle, elle est même. Personne n'avance. Mais ben, moi, je dis la gueule. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure. Ça me Dieu nous a créés. La il nous a donné une destinée. Mais des caméra, on se bonne volonté. C'est ce que nos parents ont fait. En s'accrochant au diable. Mais nous n'avons pas négatif sur nous. Mais il y a Zokita et il a un moment. C'est tout. Et bien, oh, les gens voient des fétiches. Moi, nous avons un ils sont morts. Moi, il a c'est là. Peut-être qu'on a oublié. Mais l'esprit est là. Où qu'on est, où qu'on a coupé. Si une action ne vient pas briser ça. Mais la gagne pas. Mais ça continue d'agir. Et ça de génération en génération. Ça va vous fermer. Mais ça va vous empêcher mais d'avancer. De toute façon, on délivre un corps humain. C'est de toute façon, on délivre un village. Moi, un village aussi a besoin d'être délivré. Quand vous constatez un taux de chômage, les jeunes n'avancent pas dans un village. La délinquance dans un village. Mais. Taux de mortalité dans un village. Mais ça veut dire qu'on a besoin, que le village se délivre. On a besoin que le village que Dieu délivre le village. Amen. Amen. Parce que le fondement est renversé. Amen. Le fondement est renversé. Dieu va délivrer ce village. Amen. Le fondement est renversé. Nous allons repositionner un nouveau fondement avec Dieu. Parce que la Bible dit, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain. Nos parents nous ont créé des problèmes en nous confiant aux esprits. C'est vrai que nous avons cru en Dieu, mais ça ne se limite pas là. Il faut chercher sa délivrance. C'est ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que le village soit délivré. Il faut que le village reçoive sa délivrance. Amen. C'est tellement simple. C'est de demander à quelqu'un de nous délivrer. Elle est quand même folle. Avec des actions très fortes. Prier, quelqu'un a prié. C'est tout. Quand le peuple d'Israël était en captivité. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris. On est Moïse. C'est tout ce qu'il a dit. Dieu a dit, j'ai entendu les cris. Il a dit, j'ai entendu les pleurs, j'ai entendu les cris. Parce que les gens ont prié. C'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, pas clair. Soroku doit développer. Et c'est Soroku le dîner. Quand on parle de développement de Soroku, c'est toi, habitant. Fils de Soroku, Soroku tu dois te brûler là où tu es.
Si l'action bonne de Dieu est menée dans ce village, mais ça aura un impact sur toi. Mais la coquille, c'est tout. Parce que ce qu'on fait là, Yanoka, ça touche un impact. Mais ben, de façon, le fétiche a un impact négatif. C'est Gouga qui est bon. Les actions de Dieu ont un impact. Et la coquille, dans la vie, ben, de ceux qui croient en lui. C'est ce que nous allons faire pour que Dieu délivre ce village. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on est d'accord, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Oui, soko. Nous allons détruire les fondements. Alléluia. Le chef m'a dit de faire mon travail. Tu finiras comme quand il m'a dit on est nos canaux et bibo. Vous êtes bizarre maintenant. Ah, allez, mon prêtre, allez, mieux va. Ça, c'est un champion. Amen. Nous allons nous tenir debout. Ah, ça, c'est un pour qui, Gabriela? Nous allons nous tenir debout. À son concret. Venez ici, on s'approche. Aïe, 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 aïe. N'ayez pas peur. Ah, tu hein? Allez, c'est Yves. Mais je vous attends pas. Amen. Aïe, ma chef, qui vit? Je te dis comment mon don se manifeste. C'est mon don, c'est pas le visage à regarder. J'ai comme apparaît dans ma tête. On est j'ai vu Jésus Christ tout bas. Comme Jésus. C'est une quand il m'a vu, quand je l'ai vu, et quand Jésus il m'a oint, il prend de lui la veine. Et il y a quelque chose qui est resté. Mais j'ai vu avec ça. Quand quelqu'un est sorcier, ça clignote. Et quand ça arrive au niveau 7, 1, 2, 3, 4, 7. Mais et quand quelqu'un a quelque chose contre le village, mais il n'y a pas que ou sa sorcellerie est très dangereuse, je suis obligé de le prendre. Sorcellerie là, même dans ce côté à trois sorciers. Chacun a son don. Voilà. Quand vous dites que le fait, on va trop de bruit. Okay. La sorcellerie, c'est une maladie. Vous pouvez te donner ça. Et puis, tu peux être dans une affaire. Fais des choses contre ton gré. Mais tu continues de tuer. Mais et vous croyez. Parce que la sorcellerie n'achète pas. Mais on donne ça. Je peux donner la sorcellerie. Moi, je peux enlever la sorcellerie. Mais j'ai délivré 8468 sorciers. Le petit évangéliste. Voici un petit, un ancien sorcier. C'est un ancien sorcier. Tu es l'homme. Il mangeait. C'est un ancien bruteur. Mais il a fait beaucoup de choses. Et puis Jésus l'a délivré. Mais Jésus il a beaucoup de pasteurs. Il est devenu un agent de Dieu. La commande sur quatre, la commande dans le fétichisme, dans la sorcellerie. Mais vous, aujourd'hui, il est délivré.
Nous ne chassons pas les gens à cause de la sorcellerie. Parce que Dieu ne chasse pas les mauvaises personnes. Mais quand tu es mauvais, on te dit tu es mauvais. Et ça, faut pas qu'on marche les mots. Si ça doit diviser, ça divise. C'est ton nom. Parce que tu ne le donnes pas, il va manger. Comme sauce de Kriti, la tête de l'homme. Donc on peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Mais voici ici. Si il n'est pas dit, vous n'allez pas savoir. Il y en a beaucoup de pasteurs chez nous. Nous prenons les gens, les agents de Satan, nous faisons de les agents de Dieu. Pour qu'il quitte Satan. Non, mais quitte Satan. Parce que Satan, c'est un menteur. Il reste tout le temps dans les services Satan, mais Satan les blague. Parce que tuer l'homme, c'est pas bon. Et quand il part, dit, quand tu vas. J'ai dit, on va commencer. C'est parce qu'il y a eu quelque chose sur le monsieur. Mais il y en a. Si je prends beaucoup la nuit, ça fait trop de bruit. Stop, j'ai fait mon travail. Je suis dans le village, je ne vous ai pas dit au revoir. J'ai commencé mon travail. Chef, le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Pourquoi quelqu'un va venir m'interrompre? Moi je sais ce que je fais. Je délivre pas les gens. Mais je dénonce la sorcellerie. Je suis prêt, c'est le premier de ma vie. Parce que le sorcier c'est un criminel. C'est un agent de Satan. Je suis d'accord. Démon. Sur ce principe. Les gens me posent la question, prophète Crasson, dit toi tu attrapes sorcier, c'est sorcier qui connaissent la même sorcier. Il dit, mais quand un policier attrape un bandit. Je leur pose la question, quand un policier va attraper un bandit, ça veut dire que le policier est bandit. Policier, je vais dire au journaliste de répondre moi. Il attrape bandit, c'est parce qu'il est bandit. Moi j'ai fait mon travail. Si on n'arrête pas la sorcellerie, les gens vont mourir. Les gens ont peur de rentrer dans leur village. Il y en a combien de familles ici dans le village? Très bien. Les chefs, les différents chefs de famille sont là. Oui. Très bien. Une petite consultation après la rencontre de ce soir. Avec eux. Et puis demain, je commence un bon boulot. Je suis d'accord, tu es le chef. Ça, c'est la parole que j'ai commencé à travailler. Comme les gens sont bizarres. Pourquoi on dit que c'est le chef seulement qui a parlé? Eux tous doivent parler. On progresse sur le travail. J'aime bien ton esprit. C'est pas tout le monde qui a le même esprit que toi. Demain, ils vont gâter ton nom. Ce travail-là, chacun va parler dedans. Donc, les différents chefs là. Tout à l'heure, quand je laisse le micro, on va se voir chez toi. On va progresser dans le travail. Parce que je viens d'arriver. C'est mon bonjour là, j'ai cassé tes mitaines. Bonsoir, ça va continuer loin. Il faut que ça s'arrête, chacun a son don. Attraper un sorcier, ça n'avait pas dit que on dénie quelqu'un. On lui dit ce qu'il est. Amen. Donc on va étape par étape. Ce soir, nous allons prier. Les différents chefs sont là. Ils sont en train de faire. Nous allons poser une action. C'est ce qu'on appelle.
S'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle une action prophétique. Il y a quelqu'un à nommer. Ben, il y a quelqu'un à non, après, on va s'apprendre, les familles là. Mais ce qu'on m'a fait, c'est sous forme de libation. Ça, c'est une sainte. Un mot, un oh, je suis cette terre. Ça, le connaît d'une mot, quelqu'un. Je suis cette terre là. Tu te battes à cette terre. Et tu te battes à tu vas parler. Mais quand je parle. Ce qui a été fait négativement, c'est ça. Celui qui est là-haut, là, mais là, il est pitié de nous. Okay, il de et qu'il transforme ça. Okay, pour que tous ceux qui sortent de Soro okay, reçoivent la paix. On va pas dans son côté. Chef, tu vas parler. Qui fait quand c'est prié? On n'invoque pas un ancêtre, on ne parle pas d'un ancêtre ici. Quelqu'un qui est mort, laisse-le. Voilà. On appelle il la Dieu. Il y a un peu de prié là, oui, mais celui-là, c'est. Il y a un peu de prié, il y a un peu de prié. Il y a un peu pas attraper le micro là, qui fait va parler. Voilà. Je peux commencer? Oui. Et il je salue tout le monde. Oui, voilà. Je suis sur la terre. Bon, sur le coup de Doko, il est bête. Demain, Gouéré, il y a un Gouéré. Bobota, coup. Mais Bobota, tu es bon. Et tu te prends le coup, là. Zé. Agnima, il y aura mais il y a la bonne année. Agnia, tout me ma brouille est sous trop. Ma gnagne est sous trop. Notre village est miné. Non, 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 on ne se comprend pas. On ne s'entend pas. Et rien ne va. Et rien ne va. L'ago. Les pays du village sont divisés. Donc Dieu est à nous unir. Aucun doux ne doux, mais c'est l'ago. Rien ne va. Le cas délivré, ce village, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Doux, mais c'est. Qui est délivré le village aujourd'hui. Les ressortissants de ce village, que tous les fétiches, amen. Dieu, je suis le candidatire. Les fétiches, les adorateurs, les enfants qui sont à l'école. Quelqu'un peut rester au village, être riche. Tout ce qu'on prend, c'est si les sorciers ont maudit cela, il faut démolir ça. La pluie, on a besoin de la pluie. Aujourd'hui, le prophète Grasso, il est venu nous délivrer. Chef de famille, les trois personnes, tout à l'heure, on va se réunir. L'œuvre de Dieu progresse. Nous les trois, on dirige ce village ensemble. La bénédiction de Dieu descend sur nous. Oh, chef, merci. Tifi, ayo. Très bonne prière. Vous savez, quand le président de la République vient à Gagnoua, selon la tradition, il va appeler le propriétaire terrien d'abord. Il laisse l'eau avant que le président ne parle. Mais si ce n'est pas fait, tout ce qui vient faire la salle. Président Kraboulier. Il y a un président Kraboulier.
C'est très important. Cette action est très importante. Nous prenons ça dans Deutéronome 32. Vous allez voir la parole de Dieu. C'est biblique. Ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que vous ne savez pas. Là, vous allez voir ça tout à l'heure dans la parole de Dieu. Moi, j'ai une licence en théologie dans la Bible. C'est versé dans ma tête. C'est pas tout le monde tout connaît. Ils connaissent pas ça. Ça n'a pas dit que ça. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Moi, je suis prophète. Je suis dans l'exaction. Voilà, c'est comme ça. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 1. Prêtez l'oreille. Cieux, le ciel est là pour prêter l'oreille. Et je parlerai. Et que Gabriel. Terre. Écoute les paroles de ma bouche. Amen. Tu t'arrêtes là. La terre écoute la parole. Et de quoi est-ce que le ciel prête l'oreille à nos prières. Mais la terre, la parole qu'on dit là, qui s'enregistre. Gabriel car. Ça renversait des données. Et existait pendant des décennies. La parole. Voilà, yo, c'est nous. Puissance dedans. Mais terre. Pourquoi? Jean le chapitre 1, vous allez voir. Écoutez, je prends la parole de Dieu pour vous expliquer. Les actions qui sont en train de mener. Ce n'est pas partout on prie. Mais les gens, ils veulent prier partout. C'est pas partout on prie. C'est les actions prophétiques. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Ouais. Au commencement était la parole. Écoutez, on dit au commencement était la parole. Qui écoute, dit à Walimakounen à nouveau. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Ça vous dit, la parole est tellement importante que pour faire le ciel et la terre, c'est la parole de Dieu. Donc, dans ce que nous sommes en train de faire, la parole doit intervenir. La parole est toujours au commencement et la parole est toujours à la fin. Donc, ce n'est pas partout on prie. C'est l'action. Le commencement était la parole. C'est la parole. Cette parole-là. Si la terre de Soroko change les données, c'est comme ça que les villages. C'est ce qu'on appelle moi, action prophétique. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je suis un représentant de Dieu, lui, c'est le village. Ouais. J'ai comme deux cachets sur. En qualité de serviteur de que je suis. Elohim, toi qui as créé le ciel et cette terre, nous t'implorons ce soir, éternel notre Dieu, pour la délivrance de ce village de Soroko. Nous voulons en ton nom, Seigneur notre Dieu, révoquer toute forme de malédiction qui régnait pendant des décennies. Tout ce que le chef vient de dire, cette parole au travers de cette action. Parce que c'est de l'huile sainte. Il a même dit dans Jacques 5, le verset 14, Jacques, si quelqu'un est malade qui l'appelle, les sacrifices publics en l'oignant plus. Cette action sur le sol de Soroko, prononçant la délivrance de tous les sortissants de ce village, qu'il soit de près ou de loin. Au nom de Jésus, nous délivrons et libérons leur mariage, nous libérons leur examen, nous libérons leur voyage, nous libérons leur prospérité,
dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon. Mais en même temps, même le Dieu d'accord, vivant, on t'aime, soit, oh yeah, soit oh yeah, le Dieu, oh yeah, le défenseur de ce village. Okay, nous remettons les ennemis de ce village en tes mains. La Bible dit, celui qui se confie à toi, ses ennemis deviennent tes ennemis. Ce village doit changer. Tous ceux qui vont à l'école doivent avoir leur examen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est tombé. La malédiction s'arrête. Plus bien qu'à être le Seigneur de Jésus-Christ. Jésus est tombé. Et la puissance de Dieu se manifeste. Jésus-Christ, on le regarde, c'est le guillemot le nez. Demain à 5 heures. Vous savez, 5 heures, c'est ce qu'on appelle matin de bonheur. En français, on appelle l'aurore. Boboro. Vous savez bien comme moi, que c'est le petit matin pour bénir l'enfant. On attend matin. Boboro. Et cette action elle est très importante. C'est à faire les résolutions à quelqu'un. Tout le monde doit être là. Dernier à quelqu'un. Quand à faire les résolutions à quelqu'un. Cette fois-ci, on va positionner une nation. C'est à quelqu'un appelé Père. Et puis on va, j'ai balancé dans le village. C'est un mec qui est là d'où le pire. Pour tuer les sorciers. L'être humain peut appeler Baïgon pour tuer moustique, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un écrit, il y a Baïgon, mais il y a un médicament de ça. Moi, j'ai mon frère Baïgon, moi, j'ai parlé Baïgon. Non, on a un médicament, vous voyez Baïgon. Ok, pour moi, c'est là. J'en cause, c'est. Chez les êtres humains, ils ont cette formule de ce qu'on appelle âme nucléaire. Âme chimique. C'est Dieu qui leur a donné ça. Là, comment il y a là? Comment il dit ça, c'est antibiotique. Comment il a dit ça? C'est Dieu. Mon nez, moi, il prend, ça le guérit. Ça tue les maladies. Pas moi, Dieu m'a donné la formule, comment tu es sorti? Mais, oye, la go, voilà. Donc, matin, comment fini, j'ai fait mon travail dans le village. Pour que les vrais hommes meurent. Donc après cette prière là, je vais voir les chefs de famille. Parce qu'à 5 heures du matin, j'ai commencé mon travail. Donc on s'entend très bien. Donne-moi le temps de travailler. Si j'ai une maison qui est en route, j'ai fait mon travail. Chacun a son travail. Mais il est comment voilà, que Dieu bénisse. Amen. C'est un bon chef. Qui finit dans le même un chef ne recule pas. Voilà. Un chef se bat pour sa population. Moi je ne recule pas aussi. Amen. Il te dit ça. Celui qui a peur de cette action, c'est que lui-même les sorciers. Amen. Nous allons tous lever la main. Nous prions que la puissance de Dieu se répande sur chacun ici ce soir. Nous prions que la puissance de Dieu nous visite ce soir. Et que les chaînes de la malédiction, que les chaînes de la pauvreté, que les chaînes de la maladie, que les chaînes de la sorcellerie tombent ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Celui-même qui a été initié à la sorcellerie, que la puissance de Dieu peut être délivrée ce soir. Je prie que Dieu répande une onction spéciale ce soir sur chacun d'entre vous, que la puissance de Dieu vienne ce soir pour vous libérer, du célibat, pour vous libérer de la maladie, pour vous libérer de la souffrance, tout ce qui est bloqué. Je développe cela au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu ce soir. Elle vient te libérer. Elle libère tes études. Elle libère ta vie. Elle libère ta vie. Elle libère ta vie. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes de la maladie
les chaînes de la souffrance, les chaînes de l'esclavage, dans le nom de Jésus-Christ, et que tes ennemis soient confondus, dans le nom de Jésus-Christ, que ce village, Seigneur, viens et règne, que ton règne soit établi dans ce village, au nom de Jésus, que j'ai prié, on dit Amen. Amen.